Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce mois de mai 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce joli mois de mai. Et nous avons la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Bon, vous allez y voir plus clair, où il y a des choses qui vont s'améliorer. On retrouve quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, on va dire. Ouais, ça va dans le bon sens, dirons-nous. En deux paquets avec le pastoral tarot ce mois-ci, nous avons le 7 d'épée, l'as de coupe et la haute prêtresse. On a le fait d'étudier quelque chose avec la haute prêtresse. On étudie, on écoute ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. On peut bien sûr aussi aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui pourra vous apporter son aide, des conseils, des précieux conseils, de façon juste et éclairée. Ou alors on est sur le fait de garder quand même pas mal de choses pour soi par rapport à cette as de coupe. Cette proposition, ce nouveau cycle qui se met en place, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous allez certainement quitter une situation avec le 7 d'épée, quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui a été difficile, enfin, au niveau du mental ou au niveau des communications, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus voir se représenter devant vous. Et vous allez tourner le dos, hein. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour prendre le taureau par les cornes, pour en terminer une bonne fois pour toutes, pour aller vers cette as de coupe, hein. Il se dirige vers l'as de coupe, vers quelque chose de bien plus agréable, oui, d'harmonie qui se rétablit. Et on fait les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence pour ce mois-ci, les Verseaux. On entre dans la lecture avec le 5 de Pentacle, le 5 de Denier. Donc c'est bien le fait d'être dans une phase de développement, de transition. Alors, c'est peut-être pas spécialement agréable parce que toute énergie de 5, c'est un petit peu chaotique. C'est le fait d'avoir la peur de manquer, de ne pas y arriver. Mais c'est une étape nécessaire quand on met en place des changements dans sa vie. On quitte un 4 qui était très stable, mais qui peut-être ne vous apportait plus assez au niveau de tout ce qui est concret, hein, du quotidien. Donc on vise un 6, un 6 où on va retrouver de l'harmonie, de la stabilité, avec plus de confort au quotidien. On va pouvoir rééquilibrer les énergies, on donne, on reçoit de façon équitable. Mais là, vous êtes en plein dans la transition. Et donc pendant cette phase de transition, c'est un petit peu déstabilisant, on va dire. Mais c'est un passage nécessaire pour atteindre ce 6. D'ailleurs, vous allez faire ce qu'il y a à faire avec ce 8 de Pentacle. Vous allez mettre les bouchées doubles, vous allez ne pas ménager vos efforts. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation, pour vraiment progresser. Il y a de l'information qui vous arrive avec ce page d'épée, qui va vous mettre le déclic, qui va vous permettre de vous projeter, d'y voir clair. Effectivement, on a des éclaircissements. Mais là, c'est comme si ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous aviez accumulé des informations par rapport à une situation bien précise que vous seul connaissez, bien sûr. Et là, cette information qui arrive, ou cette idée qui jaillit, hein, ça vous met le déclic. Vous allez vous dire, c'est bon là, j'en sais assez, j'y vais, je me lance. Je me lance pour clôturer quelque chose, pour quitter quelque chose qui ne convient plus, ou je me lance vraiment sur un nouveau projet, quelque chose que je vois, que je veux voir évoluer, prospérer. Et avec ce 3 de Pentacle, on est sur le fait de ne pas être seul. On est soudé, on a de la solidarité, on a du travail d'équipe. On peut aussi bien sûr aller chercher des renseignements auprès de personnes qui sont habituées ou qui savent, qui ont l'expérience par rapport à ce que vous cherchez à faire bouger dans votre vie. Et on nous dit avec cette carte du magicien que vous avez toutes les cartes en main, hein, qu'il ne faut pas douter de vous. C'est le début, certes, c'est le début. C'est peut-être du coup un petit peu déstabilisant, c'est peut-être un petit peu. On a peur de pas y arriver, mais là, vous avez vraiment tous les atouts dans votre manche. Hein. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre créativité, de votre intelligence. Vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre cette place de roi de bâton. Le roi de bâton, hein, c'est un roi qui est énergique, qui est efficace, qui sait ce qu'il veut, et il est courageux. Quand il a décidé quelque chose, il fait tout ce qu'il a à faire pour atteindre ses objectifs.
Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Il planifie, il structure, il s'informe, il fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite avoir. Donc, on met les bouchées doubles apparemment pour ce mois-ci, pour quitter une situation un petit peu déstabilisante ou pas très équilibrée. On a de l'information qui arrive grâce à du soutien, grâce à la mise en commun de compétences, grâce à des personnes qui sont autour de vous qui vous apportent, bah oui, de la solidarité. Et on vous dit bien que vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez vraiment consolider et trouver quelque chose de très solide, on va dire. Pour tout ce qui touche au relationnel, donc on voit bien qu'on n'est pas seul par rapport à une période où on est peut-être seul ou qu'on a peur de ne pas y arriver, peur de manquer par rapport à ses amis, par rapport à ses émotions, par rapport à une situation familiale. On n'est pas seul par rapport à tout ça. Il y a du monde autour de vous pour vous guider, pour vous appuyer, pour vous soutenir. Et on a bien la vague d'abondance qui arrive. Donc c'est bien chouette. On a du monde, on a de l'appui. Et il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens. Quelque chose qui vous apporte vraiment de la nouveauté. Des bonnes nouvelles du coup, pour le coup. On va pas s'en plaindre. Donc après une période peut-être un petit peu difficile où on a eu la peur de ne pas y arriver, et grâce à la mise en commun de compétences avec du soutien, la famille, les amis, le fait d'aller chercher des renseignements au bon endroit, vous allez pouvoir récolter. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Alors, par rapport à une situation, une émotion, une relation, un projet tout simplement familial ou tout simplement ce que vous voulez voir bouger dans votre vie. On a bien la solution, la clé qui vous apporte la stabilité, l'ancrage, la guérison par rapport à quelque chose qui a demandé de fournir des efforts ou qui vous en demande encore. En tout cas, il ne faut rien lâcher. Même si vous êtes dans une période où vous vous sentiez un petit peu fatigué, épuisé, physiquement, nerveusement, là, ça va aller beaucoup mieux. On retrouve quelque chose de plus stable. On retrouve quelque chose de plus sécurisant grâce à une protection, grâce à des personnes autour de vous qui vous apportent leur soutien. On est bien sur la fin de quelque chose qui a été compliqué grâce au soutien d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, des personnes peut-être assez spirituelles. Ça me fait penser un peu à la carte du Hiérophante, les deux associés. Quelqu'un qui est à vos côtés dans les moments difficiles. Vous avez de la visite nouvelle ou alors déplacement par rapport à tout ça en ce mois de mai. Ça vous apporte vraiment l'apaisement, la guérison. Il y a des bonnes communications, hein, des choses qui sont très agréables. Il y a de la bonne surprise qui arrive vers vous. Peut-être de la part d'une structure officielle où ça va s'éclaircir au niveau de vos pensées. Mais cette tour, on l'a là, on la retrouve là. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens pour officialiser ou au moins retrouver quelque chose de plus serein. Au niveau concret matériel financier, le magicien, le 8 de pentacle, on est sur le début de quelque chose. On vous dit de ne pas douter, de y aller. Vous avez toutes les cartes en main. Bon, bien sûr, ça ne va pas se faire sans effort. Hein. Avec le 8 de pentacle, vous allez mettre les bouchées doubles, faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer vos activités au quotidien, pour améliorer vos finances, pour en savoir le plus possible, être dans la maîtrise sur un sujet donné. Ouais, voilà, on travaille pour faire évoluer. C'est très compatible. On a de la belle surprise qui arrive. Ça va être... Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a une belle offre qui arrive ou une belle proposition qui va vous permettre de faire évoluer une situation financière ou par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Ne doutez pas de vous parce que c'est destiné à vous apporter de très jolies choses. Ouais, on a l'abondance au niveau des finances, au niveau d'une activité indépendante. On prend une nouvelle direction, on fait ses choix. Pour certains, ça va être le fait, oui, de prendre la direction d'un travail autonome, travailleur indépendant. Pour d'autres, on va se déplacer par voie de chemin de fer ou par voiture pour officialiser, concrétiser un contrat, comment, une vente, enfin quelque chose de... qui est en rapport avec du commercial, par rapport à un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui s'est peut-être pas fait sans effort, mais il y a bien un retour positif. Hein. Ouais, on officialise, on concrétise. Ouais, et quelque chose qui va évoluer, se transformer, qui va permettre de dissoudre des choses un petit peu confuses. Une situation vraiment qui va dans le bon sens. Ouais, ça s'améliore nettement. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le roi de bâton, le page d'épée,
On voit bien qu'on va planifier, structurer, encadrer pour ce mois de mai pour atteindre un objectif. On fait ce qu'il y a à faire, hein. On ne ménage pas ses efforts. On est sur le fait d'avoir des nouvelles informations qui vous permettent d'y voir clair, qui vous permettent de passer à l'action pour mettre en place un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui fait passion, qui vous donne envie. Il y a certainement quand même du monde autour de vous sur qui vous pouvez compter, ou quelqu'un vraiment qui sera à vos côtés pour vous permettre d'y voir plus clair. Ouais, par rapport à... On est sur le fait de quitter, ben voilà, le 5 de Pentacle, c'est exactement cette carte-là. On est en phase transitoire, mais là vous allez voir clair par rapport à tout ça, et vous pouvez structurer, planifier, faire ce qu'il y a à faire pour justement ne pas vous retrouver en situation inconfortable. On peut quitter un emploi et partir dans une nouvelle direction qui sera plus prometteuse. Il y a du soutien, il y a peut-être une proposition d'un ami, d'une personne de confiance par rapport à tout ça. Certains peuvent retourner en formation, hein, ou se réorienter, partir en apprentissage, chercher vraiment aller vers quelque chose qui les fait vraiment vibrer. Ne doutez pas de vous, ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver. Oui, on peut très bien repartir en formation ou changer complètement de voie professionnelle pour certains Verseaux pour ce mois de mai. Pour les autres, ça va être le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour sortir d'une période un petit peu compliquée. On est protégé, on a des bonnes communications, on a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise grâce à une belle opportunité, un beaucoup de chance qui vous arrive, voilà, je vous le disais tout à l'heure, de la part d'une personne sur qui vous pouvez compter. On a bah, le chien qui est ici, on l'a dans la carte du tarot. Donc on a une personne fidèle, loyale. Et grâce à des bonnes communications, des échanges avec cette personne, vous allez avoir une belle opportunité pour un contrat, pour une union, pour un accord. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous a peut-être fait douter, hein. La peur de ne pas y arriver au niveau pro. On a des rencontres, on voit du monde, des gens avec qui on se sent bien, et ça vous apporte la lumière par rapport justement à quelque chose de confus. Quelque chose qui concerne, bah oui, les activités, hein, les activités pro. Mais ça va certainement vous demander de faire un choix, hein, et de prendre une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Mais vous allez y voir clair, bon, en tout cas c'est limpide. Message conseil avec le petit oracle des runes, nous avons, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Joli mois de mai, les Verseaux.